Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième journée de vlog en Andalousie. Aujourd'hui, une journée encore riche d'aventures. On a commencé par s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Zahara de la Sierra. C'est un tout petit village perché avec des maisons blanches. On s'est arrêté pour acheter de quoi manger pour le midi. Donc là, tu as peut-être cru que c'était notre voiture, mais pas du tout. Nous, ce qu'on a loué, c'est une toute petite citadine qui ressemble plutôt à ça. Et ensuite, on est parti faire une rando dans le parc de Grazalema. Alors si jamais vous avez envie de faire une rando en montagne mais que vous n'êtes pas du tout adepte des reliefs, c'est vraiment la rando idéale pour vous, c'est super facile, c'est vraiment quasiment que du plat tout le temps. Et voilà, c'est le pique-nique. C'est les premières pêches de l'année. Elles sont méga bonnes. Tu confirmes? Oui, ça va. C'est pas mal. Miam, miam. Nous sommes donc en présence d'un spécimen de sapin bleu. Alors là, je sais pas si vous voyez. Ici, il y en a des tonnes et des tonnes. Et là où on est, il y en a un seul tout petit. Donc c'est une espèce qui est endémique du coin. Voilà, on peut se rapprocher, il y a plein de petites boules, c'est très rigolo. Je n'ai aucune idée pourquoi ça s'appelle un sapin bleu. On a eu la chance aussi de rencontrer pas mal de bestioles, avec notamment beaucoup d'oiseaux, avec au départ des vautours que j'ai pas pu filmer parce que ça faisait des petits points très loin dans le ciel que vous auriez pas vu du tout. Mais voilà, beaucoup d'oiseaux, entre autres. Cette chenille ne bouge pas du tout. Et le clou du spectacle, ça a été ce qu'on pensait être un élan parce qu'un panneau nous indiquait qu'il y en avait dans cette forêt. Donc là, dans la séquence qui suit, vous allez entendre des bruits d'herbe. Donc là, c'est pas nous qui... Nous, on s'était arrêté de bouger pour vraiment justement essayer d'attendre que cette bête sorte. Donc vous allez entendre des bruits là qui sont, on pensait, d'un élan. Voilà, jusqu'à ce qu'on entende des grognements, donc là on a juste paniqué et on s'est barré le plus rapidement possible, donc je vais vous faire réentendre. On sait toujours pas si c'était des ours, enfin un ours, un sanglier, on n'est pas tellement d'accord et on saura jamais, mais c'est pas plus mal comme ça. Il s'est barré. Et enfin, pour aller se reposer, on est allé prendre un petit verre à Grazalema, donc la ville qui porte le même nom que le parc. C'est une ville vraiment très 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 fleurie. Voilà, j'espère que cette deuxième journée t'aura donné envie de venir en Andalousie. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire au mail privé Écologie Citadine. C'est totalement gratuit et il te suffit d'utiliser le lien qui se trouve quelque part ici sur cette page. Et je te dis à la prochaine vidéo.